Bonjour YouTube, on se retrouve sur RimWorld avec nos cantons, notre canton et tous les autres qui reviennent d'une caravane, je sais plus trop quoi, d'où ce que j'étais allé faire. J'allais voir dans mon historique de quête. C'était quoi? C'était un avant-poste que j'ai défoncé. Ouais, ça doit être ça. Donc on revient, on n'a plus de bouffe, tout va bien. Ouais, c'est un peu le drame. Il va vraiment falloir faire quelque chose. Mais les solutions, j'en ai. Par exemple, toi, qui pourrait aller m'achever celui-ci, qu'est-ce qui fait pas grand-chose, Ketox, pour nous préparer des petits plats, aussi, on va chercher, non, tu... ah, t'es pas affecté à la chasse, elle m'a dit, il n'y a pas de... Dark Lycion est en train de nettoyer les saletés, donc ça veut dire que Lycion peut certainement aller chasser les mufles. Ah, ma voix est peut-être un peu faible, alors attends, est-ce que Windows se serait encore amusé? Ça lui arrive régulièrement à changer mes paramètres. Eh ben oui. Merci Canton. Effectivement, là vous devez mieux m'entendre, j'ai Windows qui s'amuse tout seul de temps en temps, enfin même régulièrement, à changer mes paramètres micro. C'est assez chiant, mais voilà. Ainsi, tu m'entends mieux là? Enfin, est-ce que vous m'entendez mieux? Je sais pas s'il y a un peu plus de monde. Hop. Il faut de la bidoche. Déjà mieux, ok. Normalement, là, c'est les paramètres habituels. Hop, faut traire le yak. D'accord. Ok. Tiens, pourquoi est-ce que... Ah, merde! Est-ce que ça... Ça, c'est un peu con. Bloqué par un plafond. Ah, merde, c'est le plafond ici qui gêne. Alors, zone. Tac, tac. C'est un peu con, ça. Mes deux trucs qui se bloquent. Creuse un peu plus, bah oui, mais sauf que le générateur à bois, ça se déplace pas. C'est ce que j'aurais fait. Mais j'ai pas du tout repéré. Je sais plus, le générateur à bois, je crois que ça craint d'être sous la flotte quand il pleut, il me semble. De mémoire. Vengeance de Mufalo, merde. Ah. Éternel. Est-ce que les autres sont... Non, il n'y en a qu'un. Tout déplaçable, ouais. Ouais, j'ai vu ça sur un stream, effectivement, une fois. Je trouvais ça parfois même un tout petit peu cheaté. Sur certains principes, mais... je ne sais pas si... Hop, tiens, Lycium, tu pourrais... Supprime-moi ce toit. Voir si ça fait juste pour éviter que les ennemis ne partent avec tes murs. Ah oui, d'accord. Ah, bloqué par le générateur à bois. Ah ouais. Ah, c'est débile. Un générateur qui en bloque un autre. Énergie produite 55, énergie produite 1000.
Bon, en même temps, bon, faut dire qu'il y a pas masse de vent là. Hop. Bien. Allez, on va accélérer un peu. Vengeance. Voilà, décidément. Non, toi, t'es un. Toi, t'es des balls. Tu vas m'attaquer celui-ci. Tac-tac-tac-tac. Boum. C'est bon, ça. Non. Pas grave. Un autre se chargera d'aller rien ramasser. Le drame du chalot. Ah bah si, d'amener dans le frigo. Et bon, il a retrouvé sa place. Tombé en crise, enfin, presque. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas chez toi, mon petit? C'est la mécanique fibreuse et sensibilité au soleil, malade, dort seul. Mais pour... Ah, oh, ça me saoule. Les gens qui partent en... Ah non, c'est... Ah si, les gens qui partent en... sur des caravanes et qui se retrouvent à être considérés comme seuls, c'est pénible. Hop. Pourquoi j'ai plus de... Je sais plus. Tu vas le réinstaller ici. Ah oui, là, si, là, j'avais une bombe qui était tombée. Je me souviens. Non mais pourquoi les dessiner dans le frigo, quoi? Je dis, on manque pas de place. Ah tiens, je me souviens qu'il y en avait un qui râlait parce qu'il n'y avait pas de sol sur son... Pas de carrelage dans sa chambre. Les mecs qui ont des goûts de luxe, quoi. Bien. Alors, on avait Fitz qu'on essayait. Non, attends, tout est quoi? Toi, t'es homogène. C'est toi qu'on essaie de recruter. Ouais, t'avais pas des stats ouf. Ouais, t'as juste une épaule déchiquetée, tout va bien. J'en suis de mes recherches, d'ailleurs. Je suis sur le multi-analyseur. J'avais fait les prothèses. On va peut-être m'en faire 2-3 des prothèses. Histoire d'avoir un peu de d'avance. Là j'en ai pas fait, j'en ai fait aucune, d'accord. Prothèse de bras, prothèse de jambes. Qui est-ce qui est blessé? Mécanique fibreuse qui manque. T'es en hypothermie, Coco. Bah tiens, c'est bizarre. Là j'ai un bras qui est perdu. Un index qui est perdu. Un torse, ouais, ça on peut rien y faire. Une jambe de bois, donc je pourrais faire deux prothèses de bras et une prothèse de jambe. Deux prothèses de bras, une prothèse de jambe. Le stock. On a de l'or pour le multi-analyseur. On a 92, ça devrait le faire normalement. Ça devrait le faire normalement. Le stockage. Ah ouais, il fait moins 8. On va peut-être mettre un petit. Enfin bon, ceci dit, le stockage, on s'en fout un peu qu'il y fasse frais. Il y a rien qui craint le frais. C'est juste que Damned est à sa place, quoi. Il aime bien quand il fait frais. Alors attends, je voulais voir du coup Damned, il est en quoi? Je l'ai mis en ouvrier, alors effectivement. Ouvrier, il
doit pas y avoir les trucs d'enfants. Et oui, c'est ça. C'est pour ça que ça ne le faisait pas. Tiens, j'ai vu ça aussi. Quand, si tu veux pas Nous sommes que amis. des gens lisent des trucs de mauvaise qualité, il faut modifier ça. Tac. Qu'ils arrêtent de porter des trucs tout pourris. Hop. Bonsoir, madame. Madame et sa fille. Ils font les imbéciles. Hop. Bon, c'est moi la crise sur la bouffe. Bon, allez, du coup, j'ai plus personne qui porte des fringues de naze. Résistance, ça devrait vite tomber. Alors, problème toxique. Bon, 177 tox. Vache. Générateur de tornade. Oui, non, mais c'est déjà fait, hein. Mais ça permet que ce soit réglé de façon définitive. Mais c'est ce que j'avais dû faire d'ailleurs. Là, il les porte normalement. Voilà, il est en habit forcé. Je vais les enlever du coup. Parce que maintenant, il les porte naturellement. Mais pas une poubelle, ouais, c'est un peu ça. Et puis bon, les. Franchement. Les récompenses sont pas ouf. Ça fait quoi ça, des machines? Ah, ça permet de. Ouais, c'est pas mal ceci. Ça permet de. De donner des pouvoirs psychiques. C'est ça, hein. Ouais. Bon. Ça, c'est pas trop mal. Mais sinon, il faut que je me fasse un gros frigo. Un gros frigo pour stocker tous les déchets de pollution. Pour éviter. Là, j'en ai pas de ma pollution. Bah non, puisque j'ai rien qui en génère. Bon. Pourquoi est-ce qu'il ne vide pas les soutes, ceux-là, là? Médicinal. Il y a plein de merde là, hop, dont un cœur que j'avais baladé, je sais pas pourquoi. Allez, lâchez-moi tout ça et venez me chercher. Hop. Hop, ils sont mes otiaques. Ils sont là. Hop. Ouais, je balade plein de trucs. Un raton laveur mort. Transport des tas de trucs passionnants. Ouais. Hop, allez, je vais chercher tout ça en urgence. Oh putain, elle est en sale état, mon épée longue en métal, chef-d'œuvre. Canton, il n'a pas d'armes là? Mais. Ah, et du coup, elle a pris sévère. Salut Lycium. Oh, ton lit t'appelle. Je suis très vexé. Bienvenue sur le live quand même, mais je suis très vexé. Pourquoi est-ce qu'ils vont pas me chercher celui-là? Du coup, il se fait bouffer. C'est pas faux. J'ai fait un documentaire 3 nuits. Qu'est-ce que tu fais comme un. Ça veut dire quoi? J'ai fait un documentaire. Bloqué par un plafond. Pourquoi t'es aussi bloqué par un plafond, toi?
Ah merde, là aussi, effectivement, j'ai un plafond là. D'accord. T'es quoi, t'es élève ou t'es prof? J'arrive. Un tout petit AFK 2 secondes, je vais dire un petit peu plus que 2 secondes, je vais dire au revoir à mes enfants. Désolé pour cette petite pause. Tu bosses pour les profs. Tu bosses plus que les profs. Ouais. C'est ça. Fais gaffe à qui tu parles. Parce que bon, je suis un peu prof moi aussi. Mine de rien. Et je suis pas sûr de pouvoir dire que j'en blâme pas une. Bon, ça m'empêche pas de streamer, mais. Hop. Chaise, très bien. 26 ans, bah, tu peux être prof à 23 ans. Hein. J'ai des collègues qui ont commencé à ouais, 23 ans. Combien j'ai de composants? 18. Ah, ça dépend les conditions. Mais si c'est effectivement juste en une semaine, c'est un peu court, mais ça dépend de ce qu'on demande exactement. Ah, papa apprend à piston à bien sucer le sang. Ouais. C'est quoi ton taf à toi, au canton? Toi, tu regardes bien des glandeurs qui stream.
petit-fils de Katox et Canton. Ah, ils ont même un petit-fils, quoi. Ils sont grands-parents. Incroyable, quoi. Qui l'aurait cru? Beau programme, Lithium. T'es en quelle classe? D'accord, oui. C'est plus ce qu'on appelle une classe. Alors, on va pouvoir revendre toutes nos merdes. Hop, arc court. Intégrateur cybersécurité, ça pète comme nom. Casque en métal normal, ouais, ça, les bandeaux. Ça sert à quoi les bandeaux? Allez, bon courage, Lithium. Bonne nuit. Merci d'être passé en tout cas. Bandeau en cuir fin, long morceau de tissu porté sur une épaule. Protection minimale contre la chaleur, le froid et l'attaque. Bon. Ouais, je sais pas trop à quoi ça sert, mais. C'est juste un vêtement pour la nudité, quoi. Oui. C'est quoi? C'est que ça se porte en plus. Ça se doit se porter en. Ouais. Bon. De toute façon, 50%, je revends. Les grenades, je suis pas sûr d'en avoir beaucoup d'utilité. Les grenades frag, il paraît que c'est utile, puis on veut défoncer du matériel qu'on a trop. Fusil de pompe automatique, on garde. Carabine de survie, c'est pas la peine d'en garder 50. Pistolet automatique, je peux faire mieux. Et je peux revendre. Ah oui, c'était pas une bonne idée de laisser les trucs sur. Sur mes. Ouais, c'est pas faux. Effectivement. Comme je n'ai pas trop besoin de défoncer des trucs. Alors, Médoc, on prend. Qu'est-ce qui va être vraiment bien? Ça, je vais peut-être prendre. Qu'est-ce qu'on forçait? Qu'est-ce commando? Bouclier d'énergie, tout ça, c'est des trucs qui peuvent être sympas. Je vais pouvoir revendre mes binous aussi tant que j'y suis. Et ouais, c'est con, putain, ça a perdu plein de valeur, ça, du coup. Un peu les boules. Bah, ça me semble pas mal. Hop. Je vais garder quelques binous au frais. Pour l'idée des périodes dures. Avec ça, c'est. Je suis quand même refait en termes d'équipement là. Allez, paf. Boum, 4 points. On a bien vidé l'inventaire normalement. Hop, qu'est-ce qu'il faut au signal? Il recherche. C'est un octambule au signal. Ouais, une octambule. Il n'y en a pas qui veulent l'équiper. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'était le truc biocodé. Je vais peut-être m'en débarrasser dans ici là.
Recycler les armes, biocoder. Hop. Allez, on fait des prothèses. Biocoder à fond. Bah ouais. C'est ce que je fais. Voilà, il s'équipe, c'est très bien. J'ai déjà du monde actif. Bon, on pourra faire des constructions. Je pourrais peut-être déjà remplacer. Non, je pourrais miner. Ouais. Si je pourrais remplacer mes trucs en bois par. Ah oui, attends, je voulais réorganiser un peu ce bordel là. Ça, j'en ai pas besoin fondamentalement. On va péter tous ces murs là, hop, et on va en faire des vraies pièces. J'ai un schématique À la quoi? Ouais, ok. Ça, les. Bon, je suis pas sûr d'en avoir besoin non plus. Remplacer ouais, les murs en bois, les incendies, ça peut mettre fin à une partie brutalement. ça sent l'expérience qui parle. Le labo de chimie devrait aller là. Ah ou pas, non, en fait, je suis con. Le labo de chimie, c'est plutôt dans une zone de cuisine, en fait. Mes batteries, je pourrais les mettre ailleurs. Genre par là. Tac. Là pour l'instant. Hop. Tac. Et donc effectivement, remplacer structure. Mur en ardoise. Hop. Allez, tac. Comme on aime les carrés, on va terminer ce carré là comme ça. Hop, hop. Ça nous fera récupérer de l'acier comme ça. Puis toi, tu iras te mettre là. Pour faire des jolis carrés. J'ai pas besoin d'avoir deux portes ici. Donc, je vais me contenter d'en faire une seule. Et je vais faire des portes en ardoise ensuite. Ma zone ici, ordre, on va miner un peu. Tac. Partie d'un niveau 20, c'est elle. Je pourrais pousser un tout petit peu. Bon, l'acier, j'ai ce qu'il faut. Instant. Voilà, ça construit, c'est bien. Quand vous aurez fini, on pèterait ça. Par contre, ça va manquer de lumière par ici. Ouh, attends, est-ce que je risque pas de me faire effondrer les murs là? Attends, là tu vas pas le péter tout de suite. Parce que là, ça fait une grande zone un peu découverte. Tiens. Termine mes consignes. Tac. L'hiver vient de commencer. Bien. Nourriture se fait rare déjà, putain. Eh ben, on va aller chasser. Ouais, j'ai des yaks. Tac. On va chasser les juments. On est chassé le buffalo, hein, de toute façon. Faut ce qu'il faut.
Bon, je vais peut-être ceci me débarrasser d'une partie de mes yaks et de mes cochons avant que on trouve avec trop de monde. Alors, elle est encore en cloque. Femelle cochon de 11 jours, 3 jours. Je pourrais peut-être gérer l'auto-abattage, surtout, en fait, lui dire que je ne veux pas avoir plus de un cochon adulte, plus de deux femelles adultes. Ouais, même ça fait beaucoup, en fait. Je vais me faire une seule femelle adulte. Les cochons, j'ai pas besoin d'en avoir 50. Les mâles, hop, ça j'en veux un. Par contre, je veux bien avoir jusqu'à 3 femelles. Ok, comme ça. Ouais, les finitions manuelles, c'est exactement ça. Une grosse maîtrise. Une maîtrise au poil, dirait-on. C'est l'éternel qui ouvre le bal. Voilà, on va fuir tout le monde. Excellent. C'est ouf. Corps du monde inactif, Canton, il n'a rien à faire. Ouais, tu viens quand il n'y a plus de. Alors, comment est-ce qu'on réorganise l'intérieur de cette base? Peut-être falloir que je me fasse un peu plus de. Non, température, ça donne quoi? Ouh, ça caille. Tac. Tac. C'est vrai que j'ai pas trop de chauffage dans mes pioules. Pas forcément une très bonne idée. Hop. Là, il fait combien avec un seul chauffage? Il fait 16. Et dehors, il fait moins 6. On va peut-être faire un deuxième quand même. Hop. Ici, il fait combien? 21. Pas mal. Ouais, il faudrait. Bah, l'hôpital, j'en ai déjà un petit morceau là. Ouais, ok, je passe à demain. Tac. Ouais, je fais gaffe de pas couper la ligne. Est-ce que j'ai besoin d'un frigo plus grand? Je suis pas sûr, là il est quand même déjà pas mal. Alors par contre, je vais peut-être réorganiser la cuisine, la faire par là. La cuisine, je vais la mettre par là. C'est juste que du coup, il faudrait que je déplace ma porte, non? Con. Sauf que j'ai ça qui m'emmerde un peu là. Allez, on va faire structure. Il me reste 259. Parfait. Je vais faire. D'abord, je voudrais que tu me pètes tout ça là. Je sais pas pourquoi tu l'as pas enlevé, mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Hop, toi tu fais ça, et là, tac, voilà. Sur mes zones, la toiture, et là j'en avais. J'ai jamais trop compris ignorer la zone de plafond. Que ça voulait dire. En fait. Si c'est ça, c'est pour enlever les paramètres. Hop. Un sas pour accéder au frigo. Ouais, j'ai pas spécialement pour habitude de le faire. J'ai jamais trouvé que c'était dramatique. Surtout que je suis dans une zone qui est quand même plutôt fraîche. Vengeance de Mufalo.
Attention, éternel, non, reste. Reste de l'autre côté là. Hop, là. Boum, boum, boum. Le trou dans la chambre. Il y a un trou dans la chambre. Dans quelques chambres. Pas de trou dans la chambre. Qui tu me racontes? Ah, dans le toit? Non, c'est pas normal. Marrant, pourtant il me disait que c'était en intérieur. J'avais pas vu. Il y a d'autres trucs drôles comme ça? Non. Je sais pas. Pas compris. Donc, ça ne finit pas. Dans l'hôpital, non. J'ai la berlue. Bah oui, si, j'ai la berlue. Non, il dit pas qu'il y a de trou dans le plafond, pourtant. Pas compris. Tiens, ça, tu peux le transporter. Alors. On va vouloir donc. Quoi comme première pièce et comment? On va vouloir. Ah, t'as raison, ça doit être ça. Ouais. Le frigo est ici. Bon, la cuisine, on va la faire là. On va faire un truc un peu clean. Et si je veux avoir un peu d'espace, il faut que je l'agrandisse un peu. Je vais mettre le labo de chimie avec. Je vais mettre. Attends, je vais faire avec les planifier. La cuisine, ça va être un truc dans ce genre-là. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que j'ai un accès direct. Je vais mettre la cuisine par là. Ouais, ou alors. Alors, non, le truc, c'est que le frigo, il faut forcément. Parce que ça, je peux pas le déplacer. Donc, il faut forcément que je l'intègre au frigo pour avoir cette zone de stockage là derrière. J'ai pas le choix. Donc, il faut que je fasse une cuisine qui soit un peu grande. Je vais faire ça. Je la fais là. Ouais, tu me diras, parce que finalement, ça peut être. Bon, on va faire comme ça. On va mettre de la lumière déjà. Hop. Tac. Hop, ça, je vais le supprimer aussi. Et un méfalo qui est pas content. Là, faut gérer ça à la main. Il va avoir des copains pas contents, je pense, non? Oh putain, j'ai du bol. Tac. Un peu. Non, c'est pas ça, ça. Translate le frigo. Ah, tu veux dire translater par là? Ouais, non, le truc, c'est que. Ah, si, là, il y en a plusieurs. Ils sont tous en mode chasse à l'homme. Casse-toi! Qui à son aide. Cours, putain, ils sont quatre. Canton, à l'aide.
pas qui hit. Aïe. Ça pue. Ça court vite ces saloperies. Salut DB Games, bienvenue sur le live. Vu pour éternel. Aïe, 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 oh, putain. Allez. C'est con que t'aies pas attaqué celui qui était le plus proche. Exactement ce que je voulais faire. Non, entre... Ah si, oh, putain, il a pas de vache. C'est la formule... Oui, c'est ça, c'est la série Vampire qui est sur YouTube, tout à fait. Oh, ça va, il a que... Ah oui, mais c'est juste ces bestioles-là. Ça craint très facilement, je crois, les savants. Ouais, ça a plus de douleur. Délicat, c'est ça. Bah ça, c'est sûr que t'es plus efficace. Bah non, il n'y a pas de DB Games. Bah, est-ce que tu t'es connecté avant pour que je nomme tes persos? Le problème, c'est que je crois bien qu'ils sont tous nommés. Hein. Aoi, il me semble de mémoire que je l'avais renommé. T'es venu avant? Bah, pas au moment où il y avait des persos à renommer, alors je suis désolé. Je vais bientôt en avoir un. Tu as trèfle là, tu vois. Ouais, ça devrait pas tarder. Voilà. On sait déjà comment l'appeler. Éternel, est-ce que tu le soignes? Est-ce qu'il est soigné? Non. Mais non, tu vas d'abord le soigner et puis ensuite tu iras te sustenter. Hop. Alors, sa bio. Tu es un dompteur d'animal et un agriculteur, constructeur. Voilà. Petit dormeur, perspicace et incisif. Et il te manque juste un bras. Pas grand-chose. Mais comme je suis déjà en train de faire des prothèses, j'ai prévu de faire en sorte que... Non, tu vas soigner Spikey. Tu iras picoler ensuite. Donc, ces Mufalo m'ont, de façon très désagréable, interrompu dans une activité qui était quand même fort intéressante, qui était celle de réinstallation de base. Oh putain, Red. Ça craint. Ça craint parce que mes deux tireurs sont HS. Alors, 523 de points. Ça va, je suis loin des 10 000 kills max.
Qu'est-ce qu'ils ont comme armes? Que des armes de CAC. Et c'est des Néandertaliens encore. Bon, bah, ils sont nombreux et j'ai toujours pas trop de protection. C'est bien, j'aime bien vivre dangereusement. En fait, c'est les points de menace. En fait, les raids sont de plus en plus durs. Au fil du temps, tu gagnes de la richesse. Donc là, actuellement, ma richesse totale est de 75 000 dollars environ. Au jour, quasiment 100. Et plus la richesse est élevée, bah, plus les points de raid sont importants. Et ça monte jusqu'à 10 000, je crois, le max. Autant dire que j'ai un peu de marge avant que ce ne soit le drame. Structure, une porte ici. Là, ce sera une porte. Ouais, c'est clair. On tous des chochottes. Non, pas de soucis. En même temps, si ça me saoulait, je ferais pas de stream. Agrandir d'un cran vers le bas. Vous savez quoi? Tac, tac. Tac, tac. Hop. En même temps, j'ai cru comprendre que t'as pas le jeu encore, DB Games, hein, c'est ça? Il me semble. Parfaitement fonctionnel. Tac. Jolie petite cuisine. Un passage, bam. Vais faire un petit peu plus de place histoire de mettre un truc genre comment, un radiateur. Donc là, je vais avoir besoin d'une autre porte ici. Et de poursuivre le mur là. Une petite lumière. Tac. Et très bien comme ça. Ça, tu vas me décaler un petit peu vers plus bas. Et barils de binous, je vais le caler là par exemple. Hop. Donc, ça, c'est défini. Allez, c'est parti à l'attaque. Hop. Éternel Spikey. Éternel, il faut qu'il ait récupéré son arme. Ok, et eh ben merci d'être passé. Et puis à bientôt. Je veux pas de mon fils. J'ai fait simple, je lui ai enlevé son arme. J'ai estimé qu'il était trop dangereux. Oui, temps de se lever, messieurs, dames. Ouais, il n'y a pas de souci. Allez, tout le monde se lève, sauf Damnet, Pionce et Katox, qui sert à rien en termes de combat. Tac.
Merde, tu t'es équipé ta oui, c'est bon. Alors. Ah oui. Tac. Mission. En plein milieu, Spike. Là. Tac. Tac. Gameton. Au premier loge, aussi. J'ai plein de cacs dans cette partie et très peu de distance. C'est pas tip top. Venez par là, les enfants. Boum, putain. Tranquille. Hop. Ouais, je pourrais faire des sacs de ça. Hop, allez, vous retournez au sto. Ah, Canton s'est fait blesser quand même. Hop. Est-ce que je vais arriver à l'attraper lui? Pas sûr. Ah, peut-être. En mode Bénil. Oh, Rossignol, il trace, la vache. Ouais, il va arriver à sortir. Bon, tant pis. C'est pas comme si c'était très grave. Canton va te soigner. Hop, Lithium, tu peux t'arrêter. Et on me ramasse tout ça. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Hop. Voilà. Son gars gêne tellement vite qu'un temps que. Et voilà, trêve. Bon, bah, je vais l'appeler DB Games. Bio. Hop. DB Games. Qui rejoint le clan. Ah, c'est vrai que j'ai agrandi ici moi. D'accord, j'ai la place de faire un deuxième truc de recherche. Comme ça, à la limite, je pourrais séparer. La zone fabrique. De la zone recherche. Un petit réducteur ici. Alors. Capsule de cargo, qu'est-ce que tu m'apportes? De l'or, bah parfait. Tu te demandais si on aurait suffisamment, on aurait largement assez. C'est cool ça comme cadeau. J'aime bien. Hein. Ah putain, boulet. Warg. Bah alors, j'ai un Canton qui se fait prendre en chasse. Il est où Canton? Il est là. Ah ouais, on avait vu que les Wargs ça pouvait faire mal. Le premier épisode.
Le deuxième épisode, le premier stream nous rappelle que ça pouvait être un peu sévère. Donc on va éviter de faire trop les malins quand même. On va amener un peu de défense en plus de caneton. Hop. Rossi, tu vas te calmer aussi. Tac. Le tout, c'est de pas se prendre une bastos dans la gueule. Bim, voilà. Ça, c'est propre. Tac. Allez. Et ça fait de la bidoche à la fin. Alors, ça s'est déplacé. Tiens, Katox, tu vas pas d'abord me déplacer ça avant de faire de la bouffe là-bas. Tac. Ah, ça, c'est pas ici. Aussi, bouge-moi ça. Ah, que je puisse faire la suite de mes plans. Voilà. Tac. Hop. Wall light, tu vas me le réinstaller là. Tu vas me faire du câble. Tac. Énergie. Câble électrique. Tac. Tac. Voilà, et quand ça sera construit, tu vas me désinstaller ça. Et les chats qui font les cons et font tomber le tabouret. Quel chasseur n'a pas d'armes? Ah oui, il faudra peut-être que je t'attribue les priorités, toi. Qu'est-ce que tu fais de beau, de bégaye? Oh putain, Spikey, je l'ai pas non plus. C'est quoi cette merde? Et Oi non plus. Alors, tu vas me faire ça. Éternel est totalement guéri. Formidable. Damned, il fait pas de soins, c'est normal. Tac. Nourrice, très bien. Manutention, tout le monde sur deux. Achevé, tout le monde sur deux. Tourne psychique, on s'en fout. Alors, nous avions donc DB Games et Aoi. Alors, Aoi, c'était un bon mineur. Ah oui, t'es un très bon mineur. Ah oui, t'es l'homme taupe. Et quoi, très bon fermier. Je te passe un peu tout en deux. Pour le reste, artisanat, j'aime bien me mettre sur 4 des fois qu'il y a des blocs à faire. Chasseur, ah oui, c'est quoi tes stats? Oui, t'es clairement un gars en mêlée. Y a pas de doute là-dessus. DB Games, toi tu es un tireur. Alors, ouais, tu vas être un tireur. J'ai besoin d'une arme de tir. Qu'est-ce que tu me proposes? Un bon fusil automatique, ça tombe bien. 100 francs de plus. Pour DB Games. Tac. Qu'est-ce que tu fais? Tu termines la construction. Dans Tiens, équiper ça. Alors ensuite, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Tu sais être dresseur, oui, c'est une de tes meilleures chasses, très bien. Attends, du coup, éternel, je vais peut-être le passer en 3 en chasse. Histoire qu'il continue à me faire les trucs sur lesquels il est vraiment le meilleur. Construction, ok. Fermier, normalement j'ai ce qu'il me faut quand même. Hein. Caneton, tu vas passer en 3, très clairement, j'ai pas besoin de toi. Forestier, c'est pas non plus la priorité. Mineur, ça par contre t'es bon.
C'est vrai que c'est des priorités en fait que j'ai mises en place il y a longtemps. Cuisiner, ouais, Spike, ce serait bien d'avoir un deuxième. Terminé. Alors, Spikey, c'est d'accord. Ok. Ouais, mais comme j'avais pas fait ses prios non plus. Ah non, tiens. J'ai trouvé ça que c'était malin. Hop. Histoire d'alterner un peu, que tout le monde fasse pas de tout. Donc, le fermier, c'est vu. Mineur, 2, très bien. Forestier, 2, très bien. Ah, j'ai du monde qui est inactif. Forgeron. Catox. Ouais, c'est une bonne artisane aussi. Mais j'ai mis la prio sur. Oui, d'accord, je me souviens. J'avais fait ça. Pour qu'elle me fasse des blocs de cailloux. Bien. Alors, du coup, alors, Aoya, c'est vu, DB Games, priorité sur constructeur et fermier, on a dit que j'avais suffisamment de monde, et Spikey, ok, c'est géré. Alors, un chasseur. Alors, DB Games, c'est certainement pas toi qui va porter ça. Par contre, Canton, ça me semble parfaitement légit que tu portes un bouclier. Donc, la cuisine, c'est fait. Maintenant, on va faire. Là, c'est une pièce un peu fourre-tout qui sert pas à grand chose. Tiens, je vais le faire en la salle de classe qui sert. Hop. Est-ce que je ferme ici pour éviter qu'il y ait trop de passages? Oui, très clairement. Vais fermer ici. Et là, il faut que je réorganise. Tac. Tiens, on allait bouffer. Déplace-moi tout ça. Hop. Tac. Ok, ça déplace à tour de bras, c'est parfait. Tac. Alors, ensuite. Ensuite. On a dit une salle de salle à manger que je vais faire plutôt côté frigo. J'ai pas le non, j'ai pas de mode pour me faire des frigos pour pouvoir en parler, donc je vais faire ça. Je fasse toute logique, une petite étagère sur laquelle il me dépose en priorité les plats. Hop. Structure, tac. Là, je vais faire un couloir un peu correct. Tac. Là, un plus petit couloir.
porte, elle est très mal placée. Tac. Porte en métal, c'est pas grave. Porte en ardoise, ici. Là, je vais faire une porte ici. Une double porte. Tac. Ce sera mon couloir principal. Ici, tac. Là, je vais poursuivre. Et puis ça, je vais le couper en deux pour faire une salle de bouffe et une salle de distraction. Et ensuite, tu me pèteras ça. Non, tu vas pas mettre là, toi. Pour l'instant, tu vas le mettre par là. Et tu vas me faire une copie de l'autre côté. Ça. Et il me faut plus de portes. Hop. Tac. 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 Là, c'est la salle à manger. Vu le nombre qu'ils sont, je vais peut-être me faire une table impunie de ce nom. Table mobilier, une table en 3x3. Donc, marbre, j'en ai combien? 70 seulement. Ça se demande combien? 3x3. Ça demande 100. Alors, pour l'instant, je vais les déplacer ici. Ici, je vais me faire une petite zone de stockage secondaire pour tout ce qui est mobilier. Ce genre de conneries là. Hop, tu vas me mettre juste tout ce qui est ces constructions, je crois. Ouais. Et Damien est dehors. Normal. Alors, qu'est-ce qui expire dans 24 heures? Ah oui, les déchets toxiques. Ouais, on avait dit. J'aime pas ces quêtes-là. Les déchets toxiques, c'est le mal. Alors c'est cool, mais pour ça il faudrait que j'ai un outil de un outil pour faire des sculptures, ce que je n'ai pas. Là je pourrais déplacer ça pour que ça traîne pas trop. Hop. Parce que j'ai un truc de tailleur de pierre, mais hop, tiens, toi, tu peux être récupéré. Que toi, ça me plaît que tu fasses des blocs. Putain, Spikey, il en met du temps à récupérer, la vache. Sculpture, c'est. Non, non, c'est un autre. En production, t'as un. C'est où? Est-ce que c'est là, établi de sculpture. C'est vrai que je pourrais en faire un. Hein. Pour l'instant, je n'en ai pas fait. Bois. Un peu tout naze comment j'organise mon truc.
C'est vrai qu'en plus j'ai du jade, donc je pourrais faire des trucs sympas. Tom, il y a combien en... Artiste 5. C'est pas ouf, mais. Le temps de faire une jolie sculpture, why not, quoi. Alors ici, tout est pris. Il faut que je fasse gaffe que j'ai plus beaucoup de chambres dispo. C'est là-dessus, je pourrais mettre Imogen. Et puis tout ce qui est stockage avec les plats. Tous les plats sauf pas nutritive. Passion de survie. Tant que j'en fais pas trop. Oula oui putain, je pourrais peut-être avoir un tout petit peu plus de stock quand même. Vu le nombre qui sont, ce serait plus du luxe. Je vais faire en priorité. Regardez 4. Que je vais faire? Je vais faire par 1. Catox est enceinte. Et ben voilà. Et Royal en jade. Ça y est. C'est fait. T'avais dit que ce serait ce soir. Spike hier, très tristement. Félicitations à Canton. Tu es papa pour la deuxième fois. Catox, on a besoin de bouffe. T'as déjà plus ton illumination artistique, toi. Bon, bah, c'est un peu dommage. C'est pas faux, effectivement. C'est vrai que social. Ouais, voilà. Et lui, je le connais pas. Enfin, si, on l'avait vu passer. On l'avait vu passer une fois. Il est moche. Ne peut pas romancer incestueux. Ah oui, je ne peux pas le romancer, d'accord. Frère, sœur, petit-fils. Ouais, c'est presque Han Solo, le petit-fils. Yes, mine rivale. Ah, Spike. Et un petit... Ah! Ah, mais d'accord, Tom, c'est... Ok. Alors, je n'aime pas du tout que tu me fasses ça. Tu vas me copier et coller. Donc, dommage pour l'animation artistique. Et là, j'ai plus de bouffe pour les animaux. Il faut que je m'en occupe. Les attaques immédiatement, 538. Dans des nacelles de transport. Fuck. I hate this. Damnette Catox, allez. Toc, planqué. Alors, où est-ce qu'ils vont tomber? Une petite sauvegarde. Tiens, et tu fais comme l'épisode vient déjà de démarrer, de durer un peu longtemps. Je vais faire une petite pause, si on va dire au revoir à la VOD. Et. Il fallait un essai, je l'avais pas vu. En doute, moi je pas spécialement de bouffe. Allez, une petite pause pour la VOD, on reprend de suite. Top. À plus.